Yo, salut à tous et bienvenue sur locan.jp. Aujourd'hui, on va faire le test d'un Powerline Plus. C'est les nouveaux câbles de chez Anker. Anker, c'est les câbles de référence. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. C'est ces câbles rouges que moi j'utilise partout. C'est les seuls câbles Lightning micro USB que j'ai. Même USB-C, USB-C vers USB-C pour recharger le MacBook Pro, parce que tout simplement c'est des câbles excessivement solides, très bien finis, et c'est les derniers câbles que vous aurez à acheter. Celui-là, comme la plupart des câbles rouges que j'ai en Lightning, ça fait bien 2 ans, si c'est pas 3 ans que je les ai, je veux pas dire de conneries, mais ça fait vraiment un gros moment. Ils ont sorti les Powerline Plus 2, qui est donc la deuxième génération. Je vous en ai parlé rapidement dans un article il y a un petit moment de ça, et j'en ai commandé un aujourd'hui juste pour le tester, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc d'un point de vue packaging, c'est un peu plus propre. On a un carton avec des petits reflets dessus. Alors je ne sais pas si vous voyez avec l'excédent de lumière qu'il y a ici, mais je joue un petit peu à la mise au point, je suis désolé. Je ne sais pas si vous le voyez, moi sur l'écran je ne le vois pas. En tout cas, il y a des petits logos en relief dessus. Niveau packaging, c'est quand même un petit peu plus propre. On ouvre, il n'y a pas de housse, alors que les câbles précédents étaient fournis avec une housse. Là, il n'y a pas de housse, il y a le traditionnel, est-ce que vous êtes content, pas content, avec contactez-nous à tel endroit pour faire valoir vos droits, etc., entre guillemets. Le câble est nettement plus lourd, donc c'est de 3 mètres. Celui-ci est de 3 mètres rouge, c'est l'ancien modèle. Celui-ci est de 3 mètres en noir, c'est le nouveau modèle. J'ai pas pris le rouge, dans le nouveau modèle parce que les fixations ici sont rouges également. Et sur les photos, ça avait l'air d'être de tirer sur le bordeaux rose un petit peu. Pas un rouge franc comme celui-là, presque fluo, mais un rouge un peu grenat en fait, un peu bizarre. Donc bref, le packaging est très simple. Comme vous le voyez, ça reste que du carton. La différence de poids est assez notable. Il faudrait les peser, mais celui-ci est nettement plus lourd que celui-là. Il faudrait les peser, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, puisque j'ai une balance de cuisine pas bien loin. Cette vidéo est absolument préparée, comme vous le voyez, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Hop, on démarre ça là. Alors, on est à 0,0. Je sais pas si vous le voyez. On va mettre l'ancien câble dessus qui fait 81 grammes, et on va mettre le nouveau câble dessus qui en fait 110. Vous voyez, on s'est pas planté, c'est réellement plus lourd. On éteint ceci. Le câble est réellement plus lourd, pourquoi? Parce que déjà il est largement plus protégé que le câble précédent, que la version, la génération précédente. Les embouts sont en aluminium alors que sur le précédent les embouts étaient en plastique. Vous voyez la différence des embouts. Normalement, j'aimerais bien, avec une petite mise au point, s'il te plaît, fais la mise au point sur moi-même. Fais la mise au point sur ma main, fais la mise au point sur ma main, on y arrive, on y arrive, on y arrive, clac ou pas, je vais l'aider un petit peu. C'est pas du MKBHD, il n'y a pas à chier, c'est aussi pour ça que j'ai un peu plus de mal à faire des vidéos ces derniers temps, c'est parce qu'il y a tellement de mecs qui font des superbes vidéos que ça me fait chier de vous proposer de la merde. Donc voilà à quoi ça ressemble tout simplement. La section de câble est plus épaisse sur le nouveau, tout simplement parce qu'il y a plus de blindage, et le câble est encore plus protégé dans la fixation, dans l'embout qui lui est en aluminium, alors que sur l'ancien c'était du plastique. Après, ça reste le même type de câble, ça reste du Lightning, mais réellement on sent que celui-là est beaucoup plus gaillard et plus épais. Moi j'aime bien un câble épais. À la différence de celui-là qui était déjà un câble épais par rapport aux versions, la version 90 cm est beaucoup plus fine, la section fait presque la moitié. Celui-là est nettement plus massif. Autre différence, comme vous le voyez sur la fiche Lightning, il n'y a pas de distinction entre le devant et le derrière, enfin entre un côté et l'autre. Désolé encore une fois pour la mise au point, si je regarde pas, j'y arrive pas. Il n'y a pas de distinction entre un côté et l'autre. Moi étant un petit peu autiste, quand j'ai un câble avec un logo d'un côté et pas de l'autre, j'ai tendance à vouloir que ce côté-là soit toujours du même côté, donc côté écran ou côté arrière, généralement côté écran. Alors que c'est une prise réversible, et du coup, mon côté un peu con m'empêche de l'utiliser comme ça. Ça m'a jamais gêné, hein. C'est juste que là, je vois qu'il n'y a plus de distinction de côté et que je me dis, ah, t'as, c'est cool, un problème en moins dans ma vie. Ça reste un câble de 3 mètres, les vitesses de chargement sont les mêmes qu'avec les câbles précédents. C'est juste que c'est un câble encore plus résistant, etc. Donc si vous devez acheter un câble, celui-ci est un peu moins cher que celui-là. Est-ce que ça vaut la différence de prix? C'est à vous de voir, hein, très honnêtement. Celui-là est un peu plus gaillard, celui-là est un peu plus lourd, la section de câble est un peu plus grosse. Je vous fais cette vidéo essentiellement pour que vous puissiez voir ces différences-là que je découvre en même temps que vous. Les embouts sont en aluminium, donc oui, potentiellement, celui-là durera plus longtemps. Est-ce que ça justifie les 2, 3, 4 euros qu'il peut y avoir d'écart entre les deux câbles? J'en sais rien, en même temps, c'est juste 2, 3, 4 euros. Un câble comme ça, ça vaut 15 euros les 3 mètres. Alors que le câble Apple vaut 20 euros, si je dis pas de bêtises, le mètre 80. Donc dans tous les cas, c'est au moins moitié moins cher qu'un câble Apple.
pourquoi pas mettre les sous, la différence de prix, etc. Après, si comme moi vous voulez un câble rouge avec les embouts noirs, ben, vous êtes obligé de partir sur l'ancienne génération. C'est aussi comme ça, ça s'appelle un Powerline Plus, un Powerline 2 Plus, Powerline Plus 2 plutôt. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, en bas de l'article, et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!